Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 20 mars. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome de Saint-Cloud, l'hippodrome du Val-d'Or. Une épreuve qui a rassemblé des galopeurs bien connus en pareille société. Voici donc ma sélection pour ce quintet plus prix de la Gascogne. J'ai placé en tête numéro 6, Bunouk. Il ne faut pas le juger sur sa course de rentrée à Deauville, où le cheval n'a pas eu forcément le meilleur départ course ce jour-là. Il s'agissait en effet d'une course de rentrée. Il devra afficher des progrès sur cette tentative. Sachez également qu'il compte 5 prestations dans les quintets. Il s'est classé à 4 reprises parmi les 4 premiers. Il mériterait amplement de jouer un premier rôle et pourquoi pas de s'imposer. En tout cas, il en a les moyens, le numéro 6, Bunouk. Je lui poserai le numéro 7, Notion, qui dans le prix du Mont-Saint-Jean, le quintet plus référence disputé à Deauville dernièrement, a dominé 5 de ses adversaires du jour, se classant en deuxième. Un cheval confirmé en pareille société qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Le 5, Divin Léo, a terminé 6e de cette course référence, où ce jour-là, il n'a pas eu le meilleur des parcours, étant contraint longtemps de progresser né au vent, ce qui ne l'a pas empêché de se montrer courageux pour conserver donc la 6e place. Lui aussi doit pouvoir répéter. Le 8, Tiger Village, que l'on connaît bien également à ce niveau de compétition. Ce jour-là, il a terminé 9e du prix du Mont-Saint-Jean à Deauville. Une performance et un résultat qui vaut mieux que ne l'indique ce classement brut, puisque ce jour-là, le cheval a bien fini dans une course qui finalement avait été peu rythmée. Il avait donc fini aussi vite que les chevaux qui le précédaient. Numéro 8, Tiger Village, pourra s'appuyer sur sa condition physique avancée et sur son expérience pour jouer un premier rôle. Le 13, Tartarin, cheval issu du réclamé. Il a prouvé qu'il pouvait faire mieux au niveau des handicaps dernièrement en faisant l'arrivée le 22 février dans un handicap d'Auvillais, terminant non loin de Tiger Village ce jour-là. C'est un Tiger Village qui figure donc dans ma sélection juste au-dessus de lui. Donc ce 13 Tartarin peut venir corser les rapports. J'ai également retenu numéro 10, Sisyphe, qui vient de prouver sa forme et un regain de condition en se classant 3e d'un quintet sur 1600 mètres à Saint-Cloud, l'hippodrome qu'elle va retrouver ce jeudi. Sachez qu'on la rallonge, mais attention, Sisyphe doit pouvoir répéter sa forme du moment, l'autorise également à quelques espoirs. Le 9, c'est Gentleman de Leff, 8e du prix du Mont-Saint-Jean à Deauville, la course référence, sans espérer toutefois mieux. Le cheval a fait bonne contenance jusqu'au bout, il tentera de confirmer dans ce lot. Attention également pour une cote au numéro 14, Lustre, qui a l'avantage d'avoir déjà gagné sur ce parcours, c'était en 2011, ça commence à dater, mais l'aptitude au tracé jouera en sa faveur. Sachez également qu'il vient de montrer un regain de condition, se classant 2e d'un handicap Deauville dernièrement, ce qui donne une sélection chiffrée suivante, 6, 7, 5, 8, 13, 10, 9 et 14. Concernant les infos, elle se situe en réunion 2 sur l'hippodrome de Nancy. Dans la première, Jean-Philippe Bourreau-Dacheco escompte un bon classement du 111 Vegas Old Essonne. Le cheval n'est pas un modèle de sagesse, il est souvent disqualifié, mais en dernier lieu, il s'est montré sage et a gagné plaisamment sur l'hippodrome de Caen. Un bon troisième, un cheval en forme, s'il est sage, ses adversaires du jour devront compter sérieusement avec lui. Dans la deuxième, je vous conseille le 205 Volcan du Vallon, un cheval qui a été tenu écarté de la compétition pendant presque 2 ans. Et pour sa rentrée, dernièrement, à Cholet, il s'est très bien comporté, se classant deuxième. C'est un cheval en retard de gain, il trouve ici l'occasion d'en combler une bonne partie. Même si l'épreuve est réservée aux apprentis et la jockey, même si son pilote manque d'expérience, eh bien le cheval devrait pouvoir jouer la victoire dans ce lot. Le 205, c'est Volcan du Vallon. Je lui poserai surtout le 212 Voyau d'Arry, un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Donc à Nancy en réunion 2, 205 et 212. Toujours à Nancy, dont la troisième, j'aime beaucoup le 308 Attila Giel, un cheval régulier depuis ses débuts en compétition. Il reste sur 2 places de deuxième. Il mériterait amplement de voir ses efforts récompensés par un succès. Le 309 Alcyon Desbordes, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée au Croisé-la-Roche, lui sera directement opposé en compagnie du 301 Amour de Duffel, un cheval difficile à situer. Il est inédit, mais il a été façonné par les frères Martens, et à ce titre, il ne saurait être négligé et semble en mesure de bien faire d'emblée. 308, 309 et 301. Je termine avec un coup de cœur dans la cinquième, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Nicolas Dromigny. J'essaierai d'ailleurs de vous mettre les informations concernant cet entraîneur sur Canal Turf. Eh bien, le 511 Bella des Moyeux a effectué une très bonne course de rentrée pour se classer deuxième dernièrement sur l'hippodrome de la Capelle. C'est une pouliche qui n'aurait plus tardé à ouvrir son palmarès. Nicolas Dromigny est confiant. Il estime que sa protégée a les moyens de jouer les premiers rôles.
La seule réserve, eh bien, c'est qu'elle n'est pas très à l'aise au moment de la volte et surtout la volte à droite. Donc c'est un petit paramètre embêtant. Mais si elle n'est qu'aussi bien les premiers mètres de course, elle a parfaitement les moyens de disputer les toutes premières places. Le 511 Bella des Moyeux, course ciblée à Nancy en réunion 2. La première, le 111, la deuxième, 205-12, la troisième, 8-9-1 et la cinquième avec le 511 avec la réserve émise par Nicolas Drumigny. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.